وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. الشرك الخفي, le polythéisme caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous informerai-je de ce qui m'est plus effroyable pour vous que le faux messie? Les compagnons répondirent: et comment? Il dit: il s'agit du polythéisme caché. C'est lorsque l'individu embellit sa prière en raison du regard que porte autrui sur lui. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et ce polythéisme caché, comme on a dit, il peut être un polythéisme majeur ou mineur. Il peut être majeur comme les hypocrites, c'est-à-dire qu'il fait ça que pour les gens, et il fait aucune adoration pour Allah. Lui, il se montre musulman, c'est tout, mais il ne croit pas en l'islam dans son cœur. Ça, c'est la grande hypocrisie. L'hypocrisie majeure, et la mécréance majeure, et le polythéisme majeur. Par contre, celui qui fait ça pour Allah, mais qui est tombé dans les pièges de son âme bestiale, qui a cherché en cela aussi l'agrément un peu des gens, ou leur remerciement, ou bien même de ne pas s'attirer leur foudre et leurs mauvaises paroles, alors celui-là, il est tombé dans le shirk al-asrar, dans le polythéisme mineur. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ce polythéisme, a dit: celui-ci me fait plus peur pour vous que le Messie al-Dajjal, que le faux Messie. Et malheureusement, on en voit les effets. Il n'y a qu'Allah qui connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Mais malheureusement, comme on sait, quand un cœur est mauvais, on en voit ses fruits. Comme Allah Ta'ala dit: vous les reconnaîtrez, les hypocrites, fi lahni al-qawl, dans la manière dont ils parlent. Donc il y a certains signes qui ne mentent pas, mais là, pour juger de la réalité de cette personne, il n'y a qu'Allah qui peut le savoir. Subhanahu wa ta'ala. Naam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.